bonjour à toutes et à tous pour cette première table ronde. Alors, Covid-Homme, Covid-San, Covid-Tracker, Coalition Innovation, les nouvelles appellations, les nouveaux sigles sont apparus qui témoignent de cette formidable accélération liée à la technologie pour lutter contre la crise sanitaire. Je vous présente les intervenants avec qui nous allons discuter de ces sujets. À ma gauche, Amandine Tchak, vous êtes Director of Customer Excellence chez Takeda. Franck Lehouet, vous êtes président de l'IFEN. Sophie Bouju, vous êtes Medical Director Operational Expertise chez Janssen. Et on attend Franck Mouton, président de France Biotech, qui va bientôt nous rejoindre. Amandine, on commence avec vous. Alors, comment est-ce que vous avez vécu et quelle expérience vous tirez, vous, les industriels, de cette accélération des possibilités technologiques liées à la contrainte de la crise et à la nécessité d'assouplir les process, d'aller plus vite, de décider tous ensemble, public, privé, de façon plus rapide? Alors, déjà, j'interviens surtout en tant que président de la coalition Next, plutôt. Je représente un collectif de laboratoires et d'établissements de soins et d'associations de patients qui s'est regroupé justement au moment de la crise. Au moment de la crise, on s'est quand même retrouvé dans une situation complètement extrême avec des patients chroniques qui ne pouvaient plus aller à l'hôpital ou qui avaient peur d'aller à l'hôpital. On s'est retrouvé avec des patients qui étaient en perte de chance au niveau du diagnostic, notamment en oncologie. Donc on s'est vraiment retrouvé dans des situations extrêmement compliquées pour le système de soins. Et de cette complexité de cette crise est née l'idée d'identifier des solutions digitales pour favoriser, faciliter le parcours de soins au sein des hôpitaux dans cette période de crise, cette période complètement extrême. – Dès le premier confinement, hein, c'est allé assez vite. – Dès le premier confinement est née la coalition dite Covid, qui a été le fruit de réflexions du patron de AstraZeneca, France Biotech, MedTech in France et France Digital. Franck Mouton pourra nous en parler tout à l'heure de ce moment très fort. Et donc ce collectif a lancé un appel à projet aux start-up françaises. On sait tous qu'en France, on est dans un lieu qui favorise véritablement l'innovation. On est un pays qui est très innovant sur la santé digitale et e-health. Et donc, a fait appel à projet pour identifier des solutions digitales. Il y a 380 sociétés qui ont postulé et il y a 19 solutions qui ont été choisies avec des projets qui ont été financés. Financés par laboratoires, plusieurs, et avec un super terrain d'expérimentation que sont les hôpitaux. Parce que c'est un collectif un petit peu particulier, la coalition Covid et la coalition Next. On a les hôpitaux, les associations de patients et plusieurs laboratoires qui se parlent ensemble. Sachant que ce sont les services hospitaliers qui expriment des besoins identifiés, réels, et pour lesquels il s'agit pour eux d'avoir des solutions qui soient ergonomiques et directement applicables. Bah exactement. Je ne sais pas si vous avez eu la chance ou la malchance d'accompagner un proche dans sa lutte contre le cancer, par exemple, et de faire tout le circuit à l'hôpital, etc., en dehors de l'hôpital, à la maison. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'on n'est pas satisfait. C'est clair. Voilà, du circuit patient. Maintenant, quand on connaît toutes les solutions qui existent et qui peuvent exister, on a vu le déploiement de Doctolib pendant la crise, on peut imaginer qu'on peut améliorer ça. D'accord. Et améliorer ça grâce à l'écosystème de l'innovation en France, on y croit tous et la coalition est là vraiment pour faire émerger, faire sortir des solutions qu'on va pouvoir tester, expérimenter. C'est pas facile pour une start-up d'expérimenter sans financement. Et là, c'est tout l'enjeu et l'objectif de la coalition. D'accord. On développera tout à l'heure Coalition Next. J'en profite pour accueillir Franck Mouton, président de France Biotech. Bonjour. Qui vient de nous rejoindre. On vient de commencer, donc tout va bien. Premièrement, il n'y a pas de problème. Et deuxièmement, une info aussi pratique. N'hésitez pas à utiliser le hashtag PHT2021 pour réagir tout au long de notre débat et surtout nous proposer des questions que je soumettrai à nos intervenants. Franck, peut-être si vous êtes, je sais que vous venez d'arriver, mais si vous êtes, je sais que vous serez en mesure d'enchaîner sur ce que vient de dire Amandine. Vous êtes président de France Biotech, vous êtes
CEO d'une start-up, d'une biotech, pardon. Vous avez été, je dirais, au cœur de toutes ces initiatives transversales, notamment avec Coalition Innovation Covid. Quel bilan vous en tirez, vous, de votre point de vue, de votre position en tant que président de France Biotech, de tout ce mouvement, et avec la question de comment transformer ça de façon durable ? D'abord, effectivement, je pense que si on prend cet exemple-là et la continuité qu'est en train de mettre en œuvre Amandine à travers la coalition Next, ça a été justement cette volonté partenariat public-privé au sens, à mon avis, très large, dans cette relation entre la filière de l'innovation et les partenaires publics, c'est-à-dire de faire en sorte que, au même endroit, les innovateurs communiquent avec les bénéficiaires utilisateurs et qu'au milieu, il y ait quelqu'un qui favorise le modèle d'affaires du développement et du déploiement de ces solutions. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est nouveau, qui est apparu pendant cette période-là. Il y a une continuité qui est en train de se mettre en œuvre avec la coalition Next, mais dans plein d'autres domaines, on pourra y revenir. Il a été annoncé cette semaine le projet de filière IA et cancer, qui montre aussi toute cette dimension de partenariat public-privé où un certain nombre d'entreprises de toutes dimensions s'allient sur un même combat avec des structures publiques qui fédèrent justement la recherche fondamentale et la recherche clinique dans le domaine de la cancéro. On pourra y revenir, mais voilà. Après, ce que je crois que cette période-là a été un changement aussi très profond, une transformation de l'usage du numérique. On l'a vu avec la télésurveillance, la téléconsultation. À un an près, on a deux ordres de grandeur en termes de multiplication des usages. On est passé de 40 000 en avril 2019 à 4 millions en avril 2020 par mois. On est un peu redescendu après. On est à un million par mois aujourd'hui. On est à un plateau aujourd'hui. On est à un million aujourd'hui. Il y a eu aussi quand même des annonces des pouvoirs publics et dans cette relation filière-État, le Ségur de la santé quand même dans le domaine du numérique, 1,4 milliard sur tout ce qui est mise en place des tuyaux, justement, interopérabilité. Là, on a vu les guides qui sortaient, interopérabilité, sécurité. Tout à fait. On voit vraiment qu'il y a des choses qui ont pu se mettre en place pendant cette période-là. Et puis, on reviendra peut-être sur la question. C'est comment on fait maintenant pour pérenniser ça. Exactement. Il y a donc… on n'est pas en retard, je dirais, sur le plan technologique. Pour avoir assisté à un certain nombre de comités d'évaluation de la coalition Covid, on a vu 400 boîtes en France qui sont capables de se mobiliser pour soutenir le système de santé. Essentiellement des startups du numérique. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, vous aviez ouvert un champ large et assez naturellement, c'est à 90% des boîtes du numérique qui sont venues proposer des solutions. Parce que la question était comment on soulage le système de bien santé sûr. Pendant cette période-là. Et que, enfin, je suis navré, mais j'aurais aimé qu'on ait des biotech et des medtech qui aient une telle célérité. Mais l'environnement, en tout cas, ne s'y prête pas. Et voilà. Donc, effectivement, je pense que le numérique. Et c'est une planche de salut aussi pour nous. Bien sûr. Biotech et medtech, je m'explique, c'est-à-dire que la data en santé va être un facteur clé à la fois d'aide au positionnement de façon idoine par rapport aux besoins des parcours de santé, également un abaissement du risque. On le voit là avec le projet IA et cancer sur l'utilisation des bras placebo, des bras synthétiques placebo, etc. Donc voilà, on va abaisser le risque et ça va en abaissant le risque, c'est parce que pourquoi? Parce qu'on expose moins de patients en vie réelle, c'est parce qu'on est dans parce qu'on dispose d'informations, on anticipe beaucoup, ouais. C'est-à-dire qu'on est capable de cibler beaucoup plus les populations à travers justement ces données de santé et pas que des données médico-économiques, on est bien sûr des données de santé qualifiées complètement. Et effectivement, et c'est là où moi je trouve que dans ces formes de coalition où les industriels s'allient pour partager leurs données d'évaluation qu'ils ont générées eux-mêmes à travers leurs essais cliniques et qui vont effectivement servir et faire en sorte que les patients puissent bénéficier beaucoup plus vite des innovations qui arrivent. Donc il y a ça. Et puis, comment on pérennise ça? Et je pense que là, le gros sujet, ça va être le modèle d'affaires. Complètement. Tout est là aujourd'hui, c'est-à-dire que les États-Unis ont ouvert grand les vannes de la télésurveillance, on l'a vu. Sauf qu'ils savent transformer ces initiatives en modèle durable avec du business à la clé. Hein. Et du coup, qui favorise aussi l'investissement privé. Complètement. Parce que quand on voit les milliards qui ont été annoncés sur le CIS 2021, très très bonne nouvelle. Sauf que notre boulot maintenant, c'est en face de chaque euro
investis, il en faut 3 en privé. C'est ça, exactement. C'est et les fonds sont pas encore totalement là, hein, globalement. Bah, on sait que sur le domaine du numérique, il y a effectivement un besoin de renforcer, du coup, en tout cas, de sécuriser le modèle d'affaires. Ça, je pense que c'est vraiment la première chose. Et puis la partie culturelle aussi, où il y a un vrai besoin de cette diversité. Sur la sécurité du modèle d'affaires, ça dépend beaucoup des pouvoirs publics qui ont quand même souvent un train de retard. Alors peut-être un peu moins avec cette crise, mais ils sont souvent un train de retard sur le plan réglementaire. Prenons l'exemple de la télésurveillance qui a révélé effectivement tout son potentiel qu'on imaginait bien auparavant. Hein. Simplement, l'essai a été démontré, mais la télésurveillance, elle reste expérimentale aujourd'hui. Exactement. Normalement, ça va changer, mais on voit bien quand même que, je dirais, la technostructure a du mal à être dans cette accélération globale de l'ensemble des acteurs. Quoi. Alors, ça ne vous aura pas échappé dans les échos cette semaine sur le fait que normalement dans le PLFSS, on devrait Tout à avoir fait. Quand même pas mal de distributions de mesures qui ont été retenues par le président de la République. Donc la télésurveillance faisait partie de ces mesures. On est d'accord. Ou le fait qu'il y avait une vraie ouverture. Quand vous discutez quand même avec la HAS, il y a une vraie volonté aussi et ils commencent à s'acculturer à ça. Donc après... Je suis d'accord avec vous, c'est qui, c'est quand, c'est comment. Exactement. Ça, c'est vrai. Mais bon. Et avec quelle lisibilité aussi hein. Mais... Avec quelle lisibilité pour les acteurs. Ça, on en parlera avec Franck, mais ce n'est pas toujours évident non plus, parce que c'est quand même un puzzle ou une mosaïque qui n'est pas facile à lire en règle générale. Non, je suis entièrement d'accord, la question se pose, mais voilà, enfin, j'ai plutôt tendance à être pas mal. Je vais attendre avant de dire que c'est pas fait. D'accord. Et puis, vous avez quand même d'autres signaux, là, le campus, enfin, Paris Santé Campus, ouais. Qui est quand même une union publique-privée très forte, avec en plus une verticale recherche fondamentale autour de la data, l'IA. La formation des data scientists à travers Prairie. Donc voilà, je dirais qu'il y a un momentum là, il faut en profiter, parce qu'il faut, il faut pas regarder, il faut y être, il faut être acteur, il faut se mobiliser, les petits, les grands, pour tout ça. Donc voilà. D'accord, on développera tout à l'heure un Coalition Next et également aussi l'écosystème politique avec le plan Innovation 2030, on reviendra dans un deuxième temps. Franck Leouet, vous incarnez cette génération d'entrepreneurs qui viennent du monde de la tech et du numérique. Hein. Je rappelle que vous avez fondé il y a quelques années Criteo, qui est devenu aujourd'hui le leader mondial de la publicité et du marketing en ligne, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, vous êtes dans la santé depuis quoi 3-4 ans à peu près, un peu plus 6 ans, d'accord. Alors justement, parce que vous venez de l'extérieur, je suppose que quand on arrive dans ce maelstrom un peu complexe, très administré, on s'interroge quand même sur ce qu'on peut apporter comme bénéfice. Alors déjà votre rapport d'étonnement sur ce secteur et peut-être deuxièmement votre expérience et votre contribution selon vous à l'accompagnement de la crise sanitaire. Oui, alors effectivement, moi, historiquement, voilà, je viens plutôt de la Silicon Valley et mes concurrents étaient Google, Facebook, avec du coup toutes les dernières technologies de machine learning, at scale, comme on dit, voilà, avec des pétaoutés de données, etc. Et moi, ce qui m'a passionné, c'était justement essayer de comprendre en fait pourquoi dans le secteur de la santé, qui est sans doute le secteur le plus important de tous. Pourquoi en fait il y a si peu d'innovation digitale? Pourquoi en fait ça fait 20 ans qu'on a nos comptes bancaires en ligne, on n'a toujours pas nos comptes santé en ligne aujourd'hui, quoi. C'est vraiment une forme de paradoxe spatio-temporel. Et donc voilà, ça m'intéressait de comprendre ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque en fait? Qu'est-ce qui fait que Bien c'est sûr. Compliqué Et du coup, c'est pour ça que il y a 6 ans, on a fondé l'IFUN. C'est justement pour creuser et évidemment essayer de comprendre pourquoi ça marche pas, pourquoi il y a pas plus d'innovation et évidemment essayer de résoudre ça. Parce que si on débloque en fait, on peut changer beaucoup de choses dans l'industrie. D'accord, mais on veut libérer tout ça, mais on se retrouve face aux forces de l'ombre hein, dans le secteur de la santé. Il y a une réglementation ultra complexe, il y a des intérêts parfois contradictoires. Enfin, qu'est-ce qu'on fait exploser comme verrou? Comment on décilote? Parce que vous par essence vous décilotez. Effectivement, je découvrais tout avec un œil complètement naïf et j'étais assez étonné de voir effectivement tous les silos qu'il y a partout et sans raison apparente. Je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi quoi, c'est, tous ces gens-là, ils concourent en fait, aux soins du patient, pourquoi ils ne travaillent pas plus ensemble et après, bon, on peut essayer de comprendre un peu les raisons historiques, hein, mais globalement, en fait, nous, notre,
Notre cheval de bataille, en fait, c'est justement d'essayer de construire une infrastructure digitale qui permette, en fait, de régler le problème du dernier kilomètre, en fait. C'est-à-dire, c'est pas le problème de je fais une application digitale ou je fais une application de télésurveillance, c'est comment je la mets entre les mains de centaines d'hôpitaux, de dizaines de milliers de praticiens et que ça marche réellement, c'est intégré dans leurs outils, il y a la data qui remonte, etc. Ça respecte la régulation, voilà, et toutes les contraintes, justement, de diverses et variées de sécurité, de RGPD, etc. Ouais. En fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, quand on ajoute ensemble toutes les contraintes, y compris la contrainte de temps, c'est-à-dire que le praticien, il n'a pas le temps, et il a 5 minutes dans sa consultation pour faire les différentes tâches, il ne peut pas aller d'un logiciel à l'autre, etc. Donc, en gros, le problème est surcontraint, et si on n'arrive pas à enlever certaines de ces contraintes-là, il ne se passera rien. Quoi. Bien sûr. Et donc, en fait, nous, notre job, c'est d'essayer de prendre toutes ces contraintes-là une par une et de les éliminer pour qu'en fait, du point de vue de l'innovateur, ben, en fait, il est comme un peu ce qu'on a sur le téléphone. En fait, je fais une app, je la mets sur le store et puis j'ai des milliards de gens qui peuvent trouver mon app, la trouver, la découvrir et l'installer. Sans aller dans la salle des machines. Hein. Voilà. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est un peu la même chose pour le secteur de la santé. C'est, voilà, vous faites n'importe quelle application numérique en santé. Vous la mettez sur l'iPhone et vous êtes à 3 clics de D'accord. Alors justement, peut-être très concrètement, les services que vous proposez avec la plateforme, combien d'hôpitaux pour offrir quelle valeur ajoutée selon vous ? Alors en fait, on parle de faire une marketplace biface, hein, où des développeurs d'applications et des consommateurs d'applications. Et donc pour commencer, on s'est dit, bah, tiens, on va faire nous-mêmes notre propre application en interne en fait, et évidemment en même temps que la plateforme. Et donc on s'est dit, donc ça c'était il y a quelques années, hein, qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, on pourrait faire tout et n'importe quoi. Alors on s'est dit, bah tiens, on veut faire une application qui est utilisée tous les jours, par toutes les spécialités, dans tous les modes d'exercice, qui collecte beaucoup de données médicales, la donnée qui a du sens, celle qui est pérenne, qui requiert les plus hauts niveaux de conformité et de sécurité. Voilà, on voulait un peu coucher de ces cases-là. Et donc, on a choisi un cas d'usage qui est comment faciliter et digitaliser l'échange des documents médicaux, donc tous les comptes rendus d'examen, comptes rendus d'hospitalisation, de spécialité, etc. Et aujourd'hui, en fait, ben, on envoie un peu plus de 50% des documents produits par les hôpitaux en France. Donc, voilà, la moitié des CHU, la moitié des luttes contre le cancer, tous les gros réseaux de cliniques privées, Ramsey, Elsan, Mavive, enfin voilà, plus de 20 000 médecins libéraux. Et donc voilà, on a réussi en fait à nous-mêmes distribuer une propre application, parce que c'est ça qu'on voulait comprendre. C'est si on veut le faire pour les autres, en fait, il faut qu'on le fasse nous-mêmes une fois pour comprendre en fait les difficultés qui sont des fois de diverses natures, quoi. Bien sûr. Et maintenant, en fait, depuis un peu moins d'un an, on expose ce qu'on appelle cette plateforme, en fait, à des applications tierces, donc qui ne sont pas développées par nous, mais par d'autres entreprises, D'accord. pour les aider à vraiment déployer et créer l'usage, en fait, auprès de tout ce réseau. D'accord. Le Covid vous a servi ? Alors, le Covid, on a tous un souvenir émouvant, un peu de... Un peu ambivalent, on va dire, même. Mais nous, c'était assez extraordinaire parce que c'était en février 2020, donc avant le pré-confinement, où on a des médecins qui nous ont appelés en disant, voilà, en gros, on va être submergé, on ne pourra pas gérer, est-ce que vous pouvez nous faire une app, là, dans 4 jours, quoi, qui fait de la télésurveillance? Et en gros, ben, c'est une petite équipe, un hackathon, on a fait une app, et après, en fait, en quelques jours, on l'a distribué dans plus de 80 hôpitaux, y compris tout le Grand Est, qui était... était vraiment... Et en fait, pour la première fois, en fait, on utilisait nos technologies pour autre chose que notre première application. C'est ça. Et donc, c'est à la sortie de ce confinement qu'on s'est dit, ben, en fait, là, c'est bon, on est mature, en fait, on peut le faire vraiment pour tout le monde, quoi. C'est ça. Vous auriez pu être dans collection Covid, vous l'avez peut-être traité Non. Bah en fait, ça s'est pas produit, mais vous avez fait quelque chose de parallèle, mais assez semblable, quoi, globalement. Ouais. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, enfin, je pense qu'on en parlait, mais le Covid a été aussi un révélateur avec Covidom et la télésurveillance. Voilà. Tout à fait. Les gens ont compris que le numérique, c'était pas juste un gadget, quoi. Exactement. Et que demain, notamment la PHP, pour pas les citer, ils ont complètement compris que demain, le soin, il est digital first, en fait. C'est-à-dire que 80% du soin, c'est le soin chronique, il doit être fait sans doute à la maison, et si j'ai une intervention à faire, ben, je vais la faire, évidemment, auprès d'un établissement. Mais... Complètement. Et donc, ça rebat pas mal les cartes de c'est quoi l'usine à soins, c'est quoi la zone de chalandise, en fait, de l'hôpital, mais enfin, ça, en fait, est-ce que demain, la PHP n'est pas en concurrence avec la Charité à Berlin, enfin, on peut se poser la question. Et donc voilà, y a, le numérique rebat beaucoup de choses. Exactement. On reparlera peut-être de vos perspectives de développement.
rentre dans un univers qui se construit, qui se structure, mais qui va peut-être aussi se contraindre davantage par rapport à cette période. Donc voir un petit peu quel regard et quels espoirs et quelles attentes vous avez par rapport à cet écosystème. Sophie Bouju, je me tourne vers vous. Vous représentez Janssen, qui a un laboratoire dont on sait qu'il est très engagé et très impliqué dans les technologies numériques, digitales, l'IA en santé. Alors peut-être la même question qu'à Franck, c'est quel retour pour votre entreprise sur le Covid, quelle expérience vous en tirez et comment essayer peut-être de transformer l'essai de façon durable ? En fait, c'est clair que le Covid nous a demandé tous de se réinventer. De se réorganiser. On a vu la technologie en fait s'immiscer dans tous nos métiers dans cette période-là. Maintenant, j'ai envie de dire, l'approche Open Innovation en santé numérique chez Janssen, elle date d'il y a près de 3 ans, avec des actes fondateurs qu'on avait posés, avec notamment en étant membre fondateur de IA4Health. Hein, qui est le colloque annuel qui regroupe donc tout l'écosystème de l'IA et des données de santé. Et là, il va y avoir la 4e édition. Et un autre acte fondateur qui était plus interne, on va dire, plus pour nos équipes qui travaillent sur la data, qui est un dataton, puisque nous, ça nous a permis en fait de nous ouvrir à toutes ces startups, toutes ces boîtes de biotech et de technologies de la santé. Et ça a surtout été riche en dynamique de rencontres. C'est ça. Ça nous a permis en fait d'avoir des partenariats, de créer des partenariats. Et tout ça, ça avait commencé donc un peu avant, mais on a vu une accélération, très clairement, qui s'est faite, et je pense par l'accélération de la technologie à ce moment-là. Bien sûr. Et on a vu, on a maintenant les premiers résultats de mettre de l'IA au cœur d'une étude. Et qu'est-ce que ça donne alors? Qu'est-ce que ça donne? Les résultats, ils étaient présentés la semaine dernière. D'accord. Au congrès de français d'hématologie, donc ouais. On cite l'étude de Mylord. Et en fait, très simple, hein, c'était comment on peut mettre à jour de l'épidémiologie du myélomultiple, voilà, donc un besoin véritablement des professionnels de santé. Et on avait un besoin, c'était de savoir précisément combien il y avait de patients dans les lignes de traitement et dans quel parcours de soins. D'accord. Et ça, en fait, ce qui est innovant, c'est l'approche inédite d'arriver à avoir des résultats cliniquement pertinents à partir de données médico-éco. Complètement. Du SNDS, hein, de la base de remboursement, ouais, de ça. Soins. Et comment? Ben, par un algorithme. Donc en fait, ce que permet l'algorithme, c'est une lecture fine de données que oui. Vous auriez lues de toutes les façons, que vous auriez mis beaucoup plus de temps à interpréter et avec peut-être un niveau de précision moindre. Exactement. C'est ça. Donc plus de précision, plus de rapidité. Hein. Exactement. Et d'avoir un apport direct. Bon, pour les médecins, c'est sûr qu'on aurait réussi à le faire cette épidémie, mais beaucoup plus lentement. D'où le fait que ce n'était pas mis à jour depuis longtemps. Et puis aussi, pour les patients, c'est d'arriver à découvrir jusqu'à des séquences thérapeutiques nouvelles. C'est ça. Donc vous qui êtes spécialisé dans la real-world evidence, c'est des outils qui sont absolument stratégiques, on est bien d'accord. C'est complètement stratégique. Donc là, on voit des premiers résultats. Maintenant, on est aussi dans le côté défrichage, hein, bien si sûr. Je puis dire. Bien parce sûr. Que là, tout à l'heure, Franck Mouton citait sur les essais cliniques in silico. Là, on est dans le côté plus exploratoire, où on s'est lancé. Là aussi, c'est cet état d'esprit un peu pionnier qui est d'arriver à créer un modèle du cancer des poumons. Avec, pour en fait arriver à prédire l'efficacité d'une molécule sur une population virtuelle. Complètement. Voilà. Donc là, on est plus dans le côté exploratoire. C'est vrai qu'il faut défricher, il faut se lancer. C'est vrai que le chemin va être long, hein, avant d'arriver à montrer la valeur de ces datas aux autorités de santé, même si la FDA vient de reconnaître cela. Avant d'arriver à l'EMA et à HAS, ça va être assez long. Mais on voit quand même que derrière, ce qui nous mène, j'ai envie de dire, c'est l'état d'esprit d'innovation du docteur Paul Janssen, qui avait créé notre laboratoire, qui était toujours sur ça. Comment innover? Il faut se lancer, il faut oser. Vous dites que tout ça va arriver lentement à l'EMA, quoique je me suis laissé dire que le S Data Hub va sans doute inspirer une plateforme européenne qui pourrait y ressembler, hein, de mise en commun d'un spectre large de données dans lesquelles effectivement ce type d'études pourrait parfaitement s'intégrer, je suppose. Hein. Tout à fait. D'accord. Clairement. Donc beaucoup, beaucoup d'espoir, hein, pour votre laboratoire, mais c'est quoi les points de vigilance? Il y en a toujours, hein, par rapport à l'exploitation des données. C'est quoi aujourd'hui les points de vigilance d'un laboratoire comme le vôtre? C'est les mêmes points de vigilance, j'ai envie de dire, que tous ceux qui font de la data en santé. Hein. Ouais. Clairement, c'est l'accès, déjà, c'est la qualité de la data. Et puis, c'est aussi arriver à convaincre sur les méthodes utilisées, notamment par rapport à ces techniques de in silico. Là, il y a quand même le côté transparence et faire comprendre, hein, la méthodologie. Donc là, il y a ce besoin qui est d'avoir un langage commun
Et j'entends commun parce que vous disiez, c'est-à-dire le public et le privé. Et c'est vrai que la filière IA et santé a réussi par exemple à mettre en place des recommandations sur comment faire de la donnée de santé, comment l'analyser. C'est ça. Donc c'est tous ces mêmes enjeux. C'est l'accès, c'est la qualité et c'est… C'est ça, filière IA et santé qui, je rappelle, a été lancée il y a trois jours, présentée il y a trois jours, Franck l'a évoqué tout à l'heure. Et donc on va revenir, on va développer, parce qu'autant parler de l'actualité. Merci Sophie. Amandine, peut-être pour revenir sur Coalition Next, qu'est-ce que vous allez faire de différent? Quels enseignements vous tirez de Coalition Covid pour faire Coalition Next? Franck évoquait tout à l'heure le problème du modèle d'affaires, je suppose que c'est… peut-être au cœur de cette approche. Quelques chiffres, quelques données, quelques exemples sur Coalition Next pour qu'on voit bien de quoi il s'agisse et qu'on illustre votre démarche. Donc, Coalition Next est la continuité de Coalition Covid qui a vraiment démontré un réel impact sur l'émergence de solutions. Je voudrais revenir quand même sur un sujet, on parle beaucoup de le public et le privé qui se parlent et je pense que tous les quatre, on est d'accord là-dessus. Je crois que c'est vraiment ce qu'aura apporté cette crise, toutes les crises, les guerres apportent des choses. Et on le voit, nous, à notre niveau de la Coalition Next, et Franck l'évoquait, tu l'évoquais, vous l'évoquiez aussi, ça a permis à des gens qui se parlaient de très loin, je dirais, de se parler et de construire ensemble. Et la Coalition Next, c'est ça qui est assez fantastique, et la Coalition Covid, c'est de se dire, OK, on a besoin de solutions. Alors, laboratoire, vous faisiez déjà de la solution patient, ça fait 10-15 ans qu'on a accompagne nos médicaments de solutions, d'aide à l'observance, d'aide au suivi des indicateurs, etc. Bien sûr. Ça, on le fait. Bien sûr. Maintenant, ce n'est pas suffisant. Parce que quand vous soutenez une solution digitale, en tant que laboratoire, bah, un jour, votre médicament n'existera plus et les budgets qui vont avec n'existeront plus. Et il faut être bien réaliste. Sûr. Bien sûr. On le sait. Maintenant, si on soutient des solutions digitales, dont, j'en sais rien, dans le cancer du poumon ou alors juste dans le circuit de patients à l'intérieur de l'hôpital, si on est plusieurs sponsors à soutenir une solution, déjà on a beaucoup plus de chances d'assurer une pérennité, mais le business model, qui est le vrai sujet, ne peut pas se reposer uniquement sur un support de laboratoire pharmaceutique. Bien entendu. Quel est le business model de demain? Exactement. C'est un vrai sujet. Est-ce qu'on peut imaginer, de la même manière qu'on code des actes, qu'on rembourse des médicaments, qu'on rembourse du diagnostic, est-ce qu'on peut imaginer qu'une solution de e-santé qui va accompagner le patient, qui va augmenter ses chances de succès thérapeutique, est-ce que c'est quelque chose qui est monnayable pour le payeur? Exactement. Je dis payeur volontairement, parce que si vous êtes aux États-Unis, le payeur est une assurance privée. Exactement. En France, le payeur au sens large, hein, puisqu'il va falloir que les complémentaires, mais ça, ce serait une autre table ronde, s'y investissent un peu plus rapidement, mais bon, ça, on en parlera une autre fois. Ça vaut un sujet à lui tout seul. Oui. Juste une précision quand même sur Coalition Next. Oui. Vous avez dit effectivement problématique du modèle d'affaires, public-privé qui se parlent ensemble. Premièrement, il faut éviter, parce qu'il y en a qui sont tentés de reconstruire les murs, hein, juste après la guerre, quand les murs sont tombés. Hein, ça, c'est la première des choses, premièrement. Deuxièmement, vous évoquez effectivement la complexité. À la décharge des pouvoirs publics et des payeurs, une technologie, notamment numérique, doit souvent être associée à un acte médical innovant. Il faut réformer la nomenclature, c'est très compliqué, c'est très long. Et à juste titre, parce qu'il faut être précis, il faut avoir le bon modèle de valeur. Donc on voit bien que tout ça est quand même compliqué, qu'on a beau dire qu'on va accélérer, on ne pourra pas tout accélérer, globalement. Non, mais c'est un sujet en Allemagne, en Belgique, qui réfléchissent à ça. Complètement. Des solutions digitales en santé. Donc c'est, je pense que la Belgique vient de rembourser l'équivalent d'une thérapie digitale comme nous on l'a fait avec Movecare, hein, ils viennent de le faire, mais sauf que Movecare est encore tout seul, quoi. Donc bah, c'est bien qu'on est quand même au début de quelque chose, complètement. Je pense, très important, et d'un point de vue business, économie, c'est quand même, ces solutions digitales, si elles n'ont pas de business model, elles n'existeront plus. Complètement. On peut financer des preuves de concept, et c'est ce qu'on fait notamment dans la coalition, on rencontre des solutions qui sont très intéressantes, et derrière, quelle est… Excusez-moi, j'ai une question, je vais avoir une question brutale, est-ce que l'assurance maladie regarde ces solutions développées dans les hôpitaux, ne serait-ce que pour savoir si éventuellement on ne va pas leur demander un jour de les rembourser? Est-ce qu'il faut leur poser la question. Oui. Je n'ai pas Donc globalement, ils ne siègent pas. Ils siègent pas à la Coalition Next aujourd'hui. Mais d'accord. Peut-être que ça va venir. On devrait un petit peu
Ben, ça fait partie de casser les silos. Exactement. Je pense que là, déjà, depuis un an et demi, il y a quand même beaucoup de silos qui sont cassés. Peut-être que, excusez-moi, je vais être désagréable, mais peut-être qu'ils devraient faire un horizon scanning à la Sciences Po comme le fait, comme le font les industriels aujourd'hui, pour savoir, avec les pouvoirs publics, savoir ce qu'il faudra payer dans 5 ou 10 ans. Quoi. Bref, les choses sont dites. Franck, peut-être enchaîner sur ce que vient de nous dire Amandine, et puis nous expliquer un peu tout cet écosystème politique-là. Okay, vous êtes au cœur hein, des... Je suis au cœur, mais je ne suis pas dans le secret des dieux. Donc, oui, non, mais on ne cherche pas à avoir des scoops, quoi, que si vous en avez, on est preneur. Mais c'est surtout santé, innovation, innovation 2030, la place du numérique, premièrement. Deuxièmement, comment ça s'imbrique avec la stratégie du numérique en santé, l'agence du numérique en santé, l'espace numérique de santé en janvier. Comment connecter tout ça pour qu'on soit dans un écosystème cohérent, global et horizontal ? Donc, je pense que là, il y a vraiment une prise de conscience. Très pratiquement, vous avez vu l'annonce des différentes stratégies d'accélération, dont une qui est destinée à IA et santé. Tout à fait. De 650 millions sur une période de 5 ans. Le sujet, c'est de savoir effectivement quels choix vont être retenus, comment ça va s'opérer. On a déjà parlé du Ségur. Il y a aussi dans l'ambition la création d'une agence innovation santé qui est là pour faire de la prospective, et la data en santé va être clé. D'accord. Dans la prospective. Donc, c'est dans la feuille de route de Grégory Emery, clairement ou pas, explicitement à ma connaissance, oui. D'accord. Mais je pense qu'il faudrait qu'il vienne. Vous avez été consulté là sur ce. On a tous été consultés par Grégory Emery. Ok. Donc on a eu beaucoup d'échanges. Je pense qu'à tous les niveaux, petits, grands, on a tous contribué. Il a souhaité justement avoir. Et je trouve que c'était vraiment dans la continuité de l'esprit du CSIS, c'est-à-dire d'essayer de constituer une communauté de pensée et d'intérêt autour d'un projet et que les gens se l'approprient. Et donc j'espère qu'on va continuer dans cet esprit-là. Après, c'est comment ça va se mettre en œuvre. Sur les parcours de santé, puisqu'on a fait un travail, ARIS, France Biotech et la Fondation des Universités de Paris, sur tout ce qui était digitalisation des parcours de santé, matérialité à travers la digitalisation des parcours de santé, des ruptures pour pouvoir justement exprimer les besoins, bien sûr. Anticiper l'arrivée d'innovations en fonction de ces besoins. Donc voilà. Et ça, ça a conduit d'ailleurs à l'avenant du CSF sur la définition d'un gros projet de la filière. D'accord. C'est parcours de santé. D'accord. Avec dont un des programmes. Et non pas seulement parcours de soins, parcours de santé. Hein. Parcours de santé dans une acception plus large. Qui vraiment prend en compte tout le reste. Après, le sujet, quand on parle du modèle d'affaires, c'est aussi la valorisation de la data. Bien sûr. Et ça, je pense que dans le contexte du Health Data Hub, il y a une vraie question qui continue à se poser, c'est comment on la valorise, cette data, parce qu'il n'y a pas que la donnée médico-économique, il y a aussi la donnée qui est qualifiée par les soignants, bien sûr. Par les aidants, etc., par toutes les boîtes qui constituent un certain nombre de données. Ouais. Et qui, notamment la fameuse expérience patient. Hein, qui... Exactement. Ouais. Et ça, c'est... Comment vous pérennisez ce système-là ? Je pense qu'il faut trouver un modèle qui permet aux industriels d'y avoir accès, avec effectivement toute une protocolisation, mais il faut aussi que ceux qui la collectent puissent être intéressés. Les médecins notamment ? Les médecins notamment. C'est ça ? C'est-à-dire que les services absolument, hospitaliers ? Et on sait très bien qu'aujourd'hui, il y a des grosses réflexions au niveau des différents CHU, justement sur cette réflexion, comment pérenniser comment inciter les soignants à continuer à collecter et à continuer à amplifier cette collecte. Complètement. Et ça, pour moi, ça fait partie aussi de cette réflexion du modèle d'affaires. Complètement. Sachant que vous parlez des CHU, mais il y a aussi tout le réseau de proximité des hôpitaux et puis l'ambulatoire, hein, qui est encore un peu chez nous manquant. Hein, parce que par exemple, dans Coalition et Innovation, on avait parlé ensemble, les médecins libéraux ne sont pas encore associés dans des projets avec des startups. C'est surtout des services publics hospitaliers. Hein. C'est clair. La relation soins primaires, soins hospitaliers, elle va être clé. Il y a des CPTS qui se constituent, je suppose que ça va être les interlocuteurs pour tout ça. On espère aussi, là, pour les c'est un sujet qui me tient à cœur sur la santé mentale, parce que c'est quand même le parent pauvre dans ce domaine-là, et on sait que le digital est, à mon sens, une planche de salut bien sûr. Dans ce domaine-là.
Et donc il faut absolument que là-dessus, on se mobilise tous ensemble pour faire en sorte qu'il y ait plus d'investissements, qu'on fasse en sorte que le tuyau, l'émergence, le développement, le déploiement et la prise en charge soient vraiment visibles. Il faut absolument que le privé revienne sur ce sujet. Exactement. Sachant que sur la santé mentale, il y a des applis qui ont été développées par certains laboratoires sur la schizophrénie, par exemple, qui ont apporté des preuves, des premières preuves d'intérêt. Tout ça doit être documenté, étudié. Non, il y a toute la partie expérimentation avec l'article 51, etc. Il faut vérifier absolument dessus, que ce soit plus rapide aussi quand même, en œuvre de ces articles 51. Je pense que c'est vraiment quelque chose. Et parmi les articles 51, il y en a qui sont en train de regarder justement cette relation entre le primary care et le monde hospitalier. D'accord. Et ça, c'est capital dans le domaine de la santé mentale. En bien sûr. Si on arrive à faire l'exemple là-dessus, j'en serais très content, mais ça voudra dire qu'on arrivera à le décliner dans d'autres expérimentations. Voilà. Bien entendu, super. Merci, merci Franck. Franck, alors on évoquait tout à l'heure la capacité que vous avez par votre savoir-faire, votre désilotage naturel à faire travailler les acteurs qui souvent s'ignorent ou se regardent de loin ensemble, à aller plus vite. Et en même temps, il faut bien aussi structurer, il faut construire, il faut bâtir une politique. Il y a la stratégie du numérique en santé portée avec vigueur par Dominique Pont et Laura Letourneau. Il y a une actualité concrète qui se précise. Il y a eu des appels d'offres cet été pour le bouquet de services pour les professionnels. Il y a l'espace numérique de santé avec l'identifiant pour chacun d'entre nous au 1er janvier. Comment vous regardez tout ça? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas une question clé à laquelle il faut répondre? C'est quelle preuve d'usage et d'utilité pour le client final, quel patient? Alors, de manière générale, on part de très très loin. Donc, en fait, je pense que on n'est pas assez nombreux à essayer de bâtir les fondations. Donc, je pense qu'il faut avoir une attitude justement très très ouverte et justement essayer de construire ensemble plutôt qu'essayer de poser. Ça, c'est absolument clair. Après, toutes ces initiatives-là, en fait, comme on a connu d'autres dans le passé, en fait, souvent, en fait, même si l'idée est belle, ce qui compte, c'est la réalisation. Bien sûr, bien sûr. Et le diable est dans les détails, donc il faut vraiment pousser très fort pour que ça rentre dans les usages vraiment, quoi. Et donc là, je pense que pareil, il y a une vraie collaboration qui doit être faite entre les acteurs du privé qui sont là sur le terrain pour créer l'usage et puis gérer tout ce qui est un peu plus réglementaire ou Et en même temps, vous avez dû donc RGPD, vous êtes hébergeur de données de santé, je suppose que vous travaillez avec l'Agence du numérique en santé. C'est compliqué, c'est chronophage, ça vous ralentit dans votre capacité d'innovation et vous voyez c'est... Alors, effectivement, ouais. Et on parlait de modèle d'affaires tout à l'heure, il y a 2 milliards là, qui est mobilisé alors, pour tout l'écosystème. L'écosystème. Donc c'est considérable, mais ça ne constitue pas un modèle d'affaires, c'est-à-dire qu'en gros c'est du one shot, c'est une subvention. Et voilà, c'est de l'amorçage en quelque sorte. Voilà, et donc c'est une forme de rattrapage, et donc je veux bien le mentionner. Il y a beaucoup d'énergie effectivement qui est mobilisée par tout l'écosystème. Nous en fait on est dans tous les ateliers, etc. Ça nous prend énormément de temps, et justement c'est là où donc d'un côté, je pense que c'est extrêmement bien d'avoir finalement d'élever le niveau d'exigence pour après faciliter les choses. De l'autre côté, ça prend beaucoup de temps et d'énergie à tout le monde qui, pendant ce temps-là, font pas autre chose. Et du coup, je pense que la vraie logique des choses, c'est de se dire, en fait, si on veut que ça marche bien, il faut que des gens, peut-être comme nous et d'autres, essayons de mutualiser cet effort-là. Complètement. Tout le monde puisse être près de la classe, entre guillemets, au meilleur niveau de conformité avec tout ça, mais qu'on arrive à mutualiser l'effort pour que chacun n'ait pas besoin de remonter la roue. C'est ça. Exactement. De faire un effort complet, quoi. Complètement. Alors, juste peut-être par rapport aux solutions de demain, que vous n'allez pas nous révéler, que prépare l'IFEN, est-ce que vous vous posez la question du remboursement? Ou bien est-ce que dans votre perspective de modèle d'affaires, c'est tellement compliqué et tellement aléatoire et tellement coûteux que ça ne vaut même pas la peine de s'y engager? Alors je pense que nous, on est vraiment un catalyseur en fait. D'accord. On n'est pas là pour faire le…
dire le. Vous êtes une plateforme de mise en. Ouais, c'est voilà. Ça, de mise en commun. Voilà, voilà. D'accord. Et donc, nous, on est très intéressés au remboursement, mais de manière indirecte. C'est ça. S'il n'existe pas. Par vos clients, par vos clients. Voilà. Parce qu'il faut bien que vos clients vous payent. Pour vous payer, exactement, il faut qu'ils aient un modèle d'affaires. Voilà. D'accord. Et là-dessus, bon, ben, je pense que, comme on le disait, je pense que ça va dans le bon sens. Bon exemple de l'Allemagne, là, qui pousse, ouais. Très fort. Je pense que la France regarde et est en train de prendre des mesures similaires, mais effectivement, c'est un point absolument indispensable. S'il n'y a pas de modèle d'affaires pour toute l'économie, il n'y aura pas d'économie. Et... Bien sûr. Pour évaluer ces solutions digitales, alors là, je parle de façon collective, parce qu'il y a votre expertise, mais il y a la vôtre commune. Est-ce qu'il faut développer une approche façon étude clinique classique, randomisée, double aveugle, cohorte sans solution, cohorte avec solution, ou bien est-ce qu'il faut assouplir, trouver d'autres modalités, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Je ne sais pas qui peut me répondre là-dessus. Je pense que Sophie peut répondre. Sophie. J'aime bien l'idée d'essais cliniques. Je pense que ça dépend de quel sujet on parle. Ouais. À partir du moment où on parle d'observance, notamment en santé mentale, on sait très bien que c'est majeur. À partir du moment où on parle de early diagnostic, dépistage, etc., comment on intègre ça dans une preuve de concept qui ressemble à un essai clinique? On peut, mais ça va être compliqué. Bien sûr. Puis d'un point de vue éthique, on va faire des bras où on peut faire des bras virtuels, mais tu vois. C'est-à-dire les bras sans traitement, c'est un peu remis en cause avec. Bah voilà. Et un bras sans dépistage précoce. Ça paraît compliqué. Si on est sur des solutions de dépistage. Du coup, Franck, il faut quoi? Il faut alléger, simplifier, trouver d'autres mesures d'évaluation de la valeur. Adapter à chaque question qui est posée, parce que la prévention, par exemple. Vous faites de la mesure de prévention. Exactement. Bah oui. C'est quand même. Quels indicateurs on prend, quoi? C'est extrêmement difficile. Combien de temps vous attendez pour faire la démonstration, alors même que. Enfin voilà. Et quel investisseur va croire dans 5 ans, je vous promets, la prévention va démontrer. Donc, je pense qu'il faut, en fonction de la question, adapter les mesures. D'accord. Mais ça vous paraît possible? Je pense, oui. D'accord. Sophie? Oui, bien sûr que c'est possible. Après, ça passera par des proof of concept, qui vont être adaptés en fonction de la question, c'est clair. Oui, mais les évaluateurs, ils ont besoin souvent d'une espèce d'un chemin d'analyse. Ils ont un peu de mal quand même, globalement. Non? Je trouve pas. D'accord. Voilà, tant mieux. Après, moi, j'ai toujours plein d'espoir, mais quand vous voyez les démarches qui sont en train de s'ouvrir sur les accès précoces, on va peut-être avoir des bonnes nouvelles sur le PLFSS, notamment dans le numérique, sur des dimensions d'accès précoce qui n'étaient pas jusque-là disponibles, c'est-à-dire la TU, par exemple, où on voit qu'effectivement, vous avez une évaluation progressive. Et pour autant, la société commence à générer un chiffre d'affaires. C'est ça. Et les patients en bénéficient. Donc, il y a une prise de risque à travers l'accès précoce. Donc, vous nous dites qu'il va y avoir une ATU pour les solutions numériques dans le PLFSS? Merci de l'info. Non. En tout cas, c'est à souhaiter. C'est à souhaiter qu'on arrive à donner cette dimension. Il y avait dans le DM et les solutions de e-santé faisaient partie de cet accès dérogatoire au dispositif médical. La question, c'était la création d'actes. Il faut absolument pousser là-dessus, parce que c'est quand même un gros enjeu. Mais voilà, mais en tout cas, cette dimension d'accès précoce va dans cette acculturation de l'évaluateur au fur et à mesure du développement et en fonction de la question. Voilà pourquoi je suis plutôt optimiste comme garçon. Très bien, mais c'est super, il en faut aussi pour faire avancer. Je rappelle le hashtag PHT 2021. On attend toujours avec impatience vos questions pour chers auditeurs, pour pouvoir vous associer davantage. Voilà, le message est passé. Amandine, vous dire Je voulais juste rebondir sur ce que disait Franck. Dans l'early access, la production de real world evidence, on fait partie des pays vraiment pionniers, clés. Je crois que c'est important de le préciser parce qu'on est toujours très fort pour le français auto-bashing. Via les ATU, notamment. Voilà, nous, on a des exemples en maladies rares chez Takeda d'études qui sont sorties à travers l'ATU de cohorte et qui ont permis de fournir des données pour l'accès du médicament dans d'autres pays. C'est quand même important, je pense, de le souligner. On a aussi en France des écosystèmes qui nous permettent d'innover. Donc je pense qu'il faut aller encore plus loin, mais on est sur un terrain avec les autorités qui favorisent ça. Bien sûr. Alors c'est bien une table ronde, mais avec que des gens optimistes, pour nous c'est un peu dommage. Donc pour être un peu mettre une note d'ombre, on est très bon en accès précoce, mais le problème c'est dans la phase d'industrialisation des solutions. On sait bien, vous le savez bien, dans les biotech, dans les medtech, dans la tech, les boîtes se construisent ici, ils ont un bon système d'amorçage, et puis dès qu'il faut rentrer en phase de production, hop,
on s'en va. Donc comment on fait pour éviter tout ça? Est-ce que les moyens déployés, les intentions déployées paraissent à la hauteur? Franck, peut-être. Ah non, c'est clair que… – D'accord, merci pour cette pointe de pessimisme. – Non, ce n'est pas un point de pessimisme, d'accord. C'est au contraire, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on y arrive. – D'accord. J'en profite pour annoncer les HTID, donc les deux jours d'HTID… – Vous avez raison. Début octobre, qui ont pour vocation évidemment de faire un éclairage sur l'innovation dans toute sa dimension industrielle, politique, sanitaire, mais également de mettre en relation les fleurons, on va dire, européens de la health tech en face de plusieurs dizaines, je pense qu'on doit atteindre d'ailleurs plusieurs centaines d'investisseurs internationaux qui vont venir pour regarder ces boîtes. Et donc là, l'idée… – Il y a un déclic par rapport à la précédente édition où vous avez En tout cas, on continue vraiment dans ce momentum qui est qu'effectivement, ils regardent ce qui est en train de se passer sur le territoire. C'était l'objectif de ces HTID, de faire en sorte que… Bien sûr. On ne va pas aller à JP Morgan. Complètement. On va y aller, mais en tout cas, si on peut aussi en attirer ici et qu'ils regardent nos innovations. Ouais. Et là, les HTID, comme vous le savez, se sont étendus à toute la health tech, c'est-à-dire biotech, medtech, e-santé. D'accord. Et donc là, il y aura tous les fleurons pour chercher des financements structurés. D'accord. Où là, effectivement, vous l'avez dit, en amorçage, c'est jamais suffisant, mais en tout cas, on avait quelques outils. En revanche, sur la vallée de la mort, c'est-à-dire Tourbé, Tourbé, et oui. etc., pré-IP. Là, c'était vraiment une difficulté. Et puis, il y a aussi un gros travail d'acculturation des LPs, c'est-à-dire c'est ceux qui donnent de l'argent à ces asset managers qui sont censés investir dans nos sociétés pour faire en sorte qu'ils comprennent que ça n'est pas qu'un impact. On peut faire de la performance dans ce domaine-là et que il y a aussi l'épargne des Français, hein, 4 milliards. L'assurance vie, hein, on parle souvent de réaffecter l'assurance vie au lieu de la laisser dormir ou comment on est dans l'immobilier uniquement. Ben, je pense qu'il faut c'est tout ça, c'est cette acculturation, c'est cette dimension. Bien sûr. Le travail aussi des médias. Peut-être que la sensibilité des patients à la crise sanitaire peut permettre de réorienter l'épargne un peu plus facilement. De même qu'il y a une épargne éthique aujourd'hui qui s'investit dans la RSE, enfin dans les entreprises, je dirais, un peu éco-compatibles, ça pourrait être aussi ça dans le champ de l'innovation en santé, quoi. C'est indispensable, je dirais que c'est indispensable, et effectivement, on l'a vu aussi. C'est-à-dire qu'on l'a vu pendant cette période de confinement, les petits porteurs en bourse se sont considérablement perfectionnés. Donc on voit, et ils viennent sur la santé. Ils viennent sur la santé. Super. Justement, alors vous, chez Lifen, vous avez fait des levées de fonds, je suppose. Vous allez en faire d'autres. Vous commencez déjà à dégager du chiffre d'affaires avec 400 ou 500 hôpitaux clients, globalement. Ouais. Comment vous voyez tout ça? Est-ce que vous souffrez de ce qu'évoque Franck, c'est-à-dire de la prudence des investisseurs jusqu'à présent, hein? Alors, ce qu'on regarde, si on regarde les trends macro, hein, sur l'investissement des VC dans le secteur de la e-santé, on voit que avant même le Covid… – Venture capital, oui, hein, risque. Ouais. – Il y avait une progression de l'ordre de 40 à 5% par an d'investissement. – D'accord, d'accord. – Vraiment un trait massif, qui peut-être, voilà, c'est un peu la conjonction de différents éléments, mais voilà, on sent que c'est un peu le moment du digital dans ce secteur. Il y a aussi des événements, enfin, d'autres facteurs un peu structurels. On sait que dans 10 ans, en 2030, là, moins de 10 ans, on aura 30% de plus d'octogénaires. – C'est ça, et donc, on n'aura pas plus de médecins, on sait déjà. Donc en gros, il y a… finalement, le Covid est une forme de répétition de ce qu'on va vivre là pour de vrai. Complètement. C'est un manque cruel de capacité de soins. Et donc, le digital, c'est une des solutions, mais c'est sans doute une des solutions majeures qui va nous permettre de passer. Et ça, les VC l'ont bien identifié. Ben, je pense que voilà, il y a un ensemble de faisceaux convergents et qui fait que voilà, c'est un peu le moment de la. Ça rejoint l'Eldorado de la Silver Economy, quelque part, hein, globalement, ce que vous dites. Hein, donc, tout ça est assez connecté, quoi. Oui, oui. Et en fait, pour moi, je pense que le frein là, principal, c'est le verrou, c'est le modèle d'affaires. Hein. Eh oui. Ça, c'est la clé, parce que exactement. Il n'y a pas de modèle d'affaires, il n'y a pas de success story, donc il n'y a pas d'investissement. Et, pas de ROI pour les investisseurs. Voilà, donc, ça, c'est vraiment la clé. Il faut sécuriser ça de manière pérenne. Complètement. Il y a une vraie filière.
qui soit pan-européenne, bien sûr. Si on peut. Et là, je pense qu'on va tout faire. On évoquait tout à l'heure les assureurs santé, qui sont encore timides, même si certains font des petits pas hein, sur le champ entre prévention et health tech, en essayant de lier les deux, puisque leur champ d'intervention, ça peut être la prévention des risques. Sachant qu'ils ont toujours un problème, c'est qu'ils investissent sur des assurés. Ils ont peur que, comme ils peuvent changer tous les ans d'assureur, c'est le voisin qui en profite. Mais ils profiteront aussi des patients du voisin, enfin des clients du voisin, si je peux me permettre. C'est pareil, vous discutez par exemple avec les assureurs santé pour, ou pas encore ? Alors c'est un peu tôt, nous on discute plutôt avec les applications elles-mêmes c'est ça. Qui sont financées. En tout exactement. Cas, mais vous discutez avec des réseaux de cliniques privées qui sont assez innovantes aussi, hein, qui globalement ont des accointances avec forcément les financeurs privés, quoi, globalement. Absolument. Ok. Sophie, il nous reste 10 minutes, peut-être, vous vouliez peut-être prolonger sur ce sujet ou bien je voulais vous lancer peut-être sur un autre thème. Allez, vous me dites. Allons-y. Voilà. Non, je me posais la question. Effectivement, on vient de voir hein, tout ce que la data, son potentiel présent et à venir apporte et appelle à modifier dans le positionnement du service rendu par les entreprises de santé, notamment les laboratoires, vis-à-vis des consommateurs finaux que sont les patients, mais aussi les acheteurs intermédiaires, hein, les professionnels, les payeurs publics, privés. Est-ce que ça vous donne une nouvelle responsabilité ? Est-ce que ça impose pas de nouvelles exigences, notamment par exemple sur la preuve de valeur ? Et c'est quoi du coup les points d'attention chez Janssen sur ce thème-là ? Sûrement que ça va nous imposer de nouvelles exigences. J'ai envie de dire, il faut quand même revenir à notre mission principale de l'industrie pharmaceutique. Elle reste la même, hein. Elle reste toujours la même, c'est-à-dire arriver à découvrir des médicaments innovants pour les professionnels de santé. Bien sûr. Et à finalité, évidemment, étant pour la prise en charge des patients. Mmh. Donc en fin de compte, l'idée, c'est de tout miser sur l'innovation, très clairement. En tout cas, nous, c'est notre idée depuis un certain temps. Tout miser sur l'innovation, c'est tout miser bien sur les tech et tout miser sur. Oui, mais l'innovation, excusez-moi, Sophie, d'insister, mais l'innovation change votre position dans la chaîne de valeur de ces solutions de santé et vous impose des nouvelles responsabilités. Donc voilà, c'est. Vous êtes très conscient de ça. Conscient de ça, d'accord. Et on apprend en marchant, j'ai envie de dire. Exactement. Voilà. Hein. Exactement. Très clairement. Hein. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles possibilités maintenant qui s'ouvrent. Mais je reviens quand même à ce que disait, ce que dit notre nouvelle présidente. Notre mission, c'est quand même de créer le médicament. Hein, de créer on est d'accord. Hein. On est d'accord. Avec tout ce qu'il y a autour, et c'est vrai qu'on se doit maintenant de faire toutes les solutions et de proposer les solutions, pas de les faire, mais de les proposer, hein, parce que c'est pas non plus notre rôle de les faire, mais de les proposer, somme toute, c'est vrai qu'on reste sur notre innovation complètement. De la molécule. C'est ça. Ce qu'il y a à faire, voilà. Justement, à travers toutes ces nouvelles façons de penser. Et c'est vrai que je me permets de réinsister sur la coopération publique-privée, parce que c'est quand même, pour moi en tout cas, ce que je retiendrai de cette crise. C'est ça. Et c'est la clé, c'est ce qu'il faut pérenniser pour le futur, globalement. C'est ce qui sera l'avenir de la pharma. Exactement. Oui. Exactement. Amandine, peut-être au titre de Takeda, hein, la même question hein, sur est-ce que cette crise oblige quelque part les laboratoires par rapport à de nouvelles attentes fortes que peuvent exprimer les opinions dans le monde, hein, globalement. Et justement, le fait de se servir de la donnée pour proposer des solutions globales de santé avec retour de preuves en vie réelle, est-ce que ça ne crée pas justement des exigences qu'il faut ne pas rater, si je puis dire ? Alors, je pense que sur la question de la data, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Elle est culturellement, on a tous parlé d'acculturation, hein, je crois, sur plein de sujets. C'en est un. D'accord. La data au niveau du grand public, data plus laboratoire pharmaceutique. Alors là, je pense que tout le monde a très très peur, même si on en a toujours fait. Exactement. On en a toujours fait. Exactement. Et sans ça, on ne peut pas apporter des innovations thérapeutiques. C'est majeur. Ouais. Donc mais la question, vous êtes sur la place publique beaucoup plus qu'avant, c'est ça le problème. Oui. C'est effectivement, donc il faut rassurer, il faut… Autour de la data, je crois que la question, c'est plutôt comment on rassure… Complètement. Le grand public et les acteurs de santé, parce que nous, on est ultra contrôlés en interne. Et oui. Dès qu'on veut contractualiser quelque chose, c'est beaucoup plus compliqué que dans un hôpital, dans c'est un laboratoire. Sûr. C'est sûr. Donc, on a des services de compliance, c'est très compliqué pour nous de faire des études, des data, avec de la data publique. Maintenant, c'est l'avenir et ça nous permet. Qu'est-ce que ça nous permet de faire ? Un médicament,
il va vraiment monter en puissance s'il est utilisé chez le bon patient, et oui, au bon moment. Et pour ça, on a vraiment besoin tout à fait d'élargir nos études au niveau des datas. Exactement. Donc ça, c'est très important. Super. Bah, merci à tous les quatre. Alors, la table ronde, c'était « Plus rien n'est impossible ». On peut peut-être dire qu'on conclut en disant « Tout est presque possible, finalement ». Et donc, on va continuer à voir toutes ces thématiques dans la journée, et notamment maintenant avec un sondage que nous présente Thierry Morvan d'Ipsos avec Digital Doctor 2021. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci.